Nous avons Plop dans son milieu naturel. Elle n'était pas au courant que je commençais cette vidéo. Bon, pour un voyage qui commence super bien, le GPS a décidé de me faire traverser tout Lyon parce qu'à un moment il y a eu des travaux et du coup il me fait traverser tout Lyon et donc ça fait 45 minutes que je suis partie et je n'ai toujours pas fini de traverser Lyon et je ne suis toujours pas sortie de Lyon, j'ai envie de mourir. Mais je suis enfin arrivée à Brive, il est 22h, je suis partie à 17h, c'était un enfer. En plus sur la route il y avait du vent, de la pluie et du brouillard, donc tout ce qu'on aime, sachant que c'est la première fois que je prends la voiture seule depuis je pense 3 ans, même plus, 4 ans. Mais ça s'est très bien passé, je suis très contente d'être arrivée et je vais aller décharger. Plop en pleine action. On fait un... un combo vlog. On est là depuis quoi 30 minutes? J'ai déjà acheté 2 livres. Ouais, c'est ça, 30 minutes. On est bien. C'est un bon départ. Et comme ça, moi je me mets à ma hauteur et du coup, elle est complètement coupée. Je suis trop grande. Nous attendons pour des dédicaces de BD. Ça prend une plombe pour chaque dédicace. Surtout que toi, tu n'en as même pas. Non, moi je tiens les livres. C'est Pénélope, la teneuse de livres. Un truc bien en phase avec la population du salon. Le point. Non, tu sais qu'ils ont un point sur Harry Potter? Ah ouais? Ouais, hors série. Si t'achètes 2 hors série et 1 point au magazine où il y a Marine Le Pen et tout ce qui est en couverture, et bah c'est 10€. Voilà. What the fuck? Patrick Sébastien au XO Édition quoi. Un peu tristoun du constat écologique, il faut être dans l'action. Moi, je pense que c'est le meilleur remède. Faire quelque chose. Ça marche pas, on aura essayé, on aura fait ce qu'on aura pu. Et être dans l'action, rejoindre des associations, participer à des mouvements, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, au niveau professionnel, faire des choix pour sa vie professionnelle, en se disant qu'on va essayer d'avoir un impact, quel que soit le boulot qu'on fait, dans quasiment tous les boulots, on peut avoir un petit impact. Pousser certains représentants publics qui défendent l'environnement, ou en tout cas ne pas voter pour ceux qui proposent de ne rien faire, voire qui proposent de revenir en arrière. Alors on sort de la conférence de Hugo Clément et ça, donc tout ça, c'est la queue pour entrer dans le salon. C'est la queue pour rentrer. Quel est cet enfer hein? La queue est beaucoup trop longue. La queue est beaucoup trop longue, mais je me contenterai de cette vidéo. Chose à contre-jour. Quoi? On a fini la première journée, enfin la, probablement la seule journée d'ailleurs, donc le samedi. On est fatigué. Oui, on est fatigué parce que on a attendu 1h30 pour faire dédicacer la BD Spirou et que le monsieur était très gentil au demeurant. Et c'était très sympathique, la dédicace est très jolie, mais bon, on en a un peu plein les pattes. Donc là, on rentre. Des gâteaux et des bouquins. C'est ça. Et, et le voilà, le programme de la fin d'après-midi, parce qu'il est 18h, et de la soirée, ce sera thé, goûter peut-être un petit peu, et lire. Parce que voilà. Thank you.
à fait. YouTube aura la preuve de ta... Les bruits sages, sans nom, sensation.